Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Ça fait une plombe quand je vous ai pas fait de vidéo dans la voiture, ni de vidéo tout court d'ailleurs. La semaine dernière a été assez compliquée, la semaine d'avant elle était pas mal non plus. Et là ça va mieux, c'est cool, j'ai pris des dispositions ce week-end qui font que tout va bien. Bref, il y avait des changements dans ma petite vie qui devaient se faire et ces changements sont faits. Donc maintenant je suis plus sourire que précédemment. Ceux qui sont VIP sur le site savent de quoi je parle. Vous, les autres normaux, etc., ça ne vous concerne pas pour faire très simple. On va éviter un sac qui vole parce que il y a du vent à Toulouse. Les feux rouges sont totalement éteints. C'est génial. Hein, c'est là que ça sert de connaître son code de la route. Quoi vous dire? Je suis un peu en phase dubitative de savoir quels articles je vais vous faire. J'ai beaucoup de tests à vous sortir. J'ai plusieurs produits dont il faut que je vous parle. Vous avez été nombreux dans la dernière vidéo où je vous parlais de la caméra de surveillance HomeKit, la Omna, à me demander ce qu'était la petite horloge connectée qu'il y avait sur le meuble rouge. Cette horloge connectée, je dois vous en faire le test. Je dois vous parler d'Hyperdrive, un adaptateur, un super hub pour les MacBook Pro late 2016. Bref, il y a d'autres tests à faire, etc. Des trucs un peu plus sport, machin. Bref, l'idée du moment est de trouver des articles autres que des tests. Parce qu'un test, ben, pour bien faire un test, ça prend un petit peu de temps. C'est pas forcément la variable que j'ai le plus en ce moment. C'est un peu chaud patate. Et puis, il faut aussi des lumières. Ça me fait penser qu'il faut que je trouve des lumières pour faire des jolies photos là où je suis actuellement. Et voilà. Donc il faut que je me concentre sur trouver des articles, etc., divers et variés. L'actu est pas top en ce moment, ça se traîne un petit peu la bite. Je manque de geekitude, clairement. J'attends avec impatience la conférence d'Apple sur les nouvelles iPads. Pas tant que ça pour voir, pour acheter un iPad, j'en ai absolument pas l'usage. Mais surtout pour voir ce qu'il y aura de nouveau, voir de la nouvelle technologie, avoir des trucs en plus, quoi, parce que clairement là on se fait chier. Voilà, Apple Park qui ouvre le mois prochain, ça sera top. Et puis c'est tout, grosso merdo. Après c'est un peu triste, quoi. J'attends aussi les prochaines mises à jour logicielles, macOS, iOS 10.3, etc. macOS qui arrivera avec Night Shift dessus, hop là, collision avec un camion. macOS qui arrivera avec Night Shift dessus, ça sera quand même très sympa, ça me permettra de pouvoir supprimer Flux et d'avoir un profil colorimétrique identique entre mon Mac et mon iPhone, ça sera vraiment pas mal. Et alors le moment que j'adore, c'est celui où tu mets un clignot comme ça, le mec te voit et ne ralentit pas une seule seconde alors qu'il sait que tu veux passer, sinon tu te retrouves à partir dans un autre département, Saint-Sébastien, surtout pour se rabattre juste après, espèce de trou du cul. Voilà, donc grosso merdo, j'attends de l'actu, des trucs un peu plus fun à partager avec vous, autre que des tests. Si les membres des forums, le VIP, ON, Gold ou Black, des suggestions d'articles, lâchez-vous, kiffez la life, vous répondez en dessous de cette vidéo dans les threads directement. Et puis voilà, des gros bisous à tout le monde, j'espère que ça va bien pour tout le monde. De ce que je vois autour de moi, fin 2016, début 2017, est un petit peu compliqué partout, mais c'est pas forcément la période la plus heureuse dans mon entourage. J'espère que c'est pas le cas pour vous et que tout roule bien chez vous. Des gros bisous et à très vite. Ciao ciao.